Monsieur Raymond, on va dire un petit mot. Les intérêts non avoués fait que nous pas sorti à aucun résultat concret. Mais nous-mêmes au niveau de la société civile, ce qui est important, nous prenons un dialogue, nous prenons un parler une à l'autre, nous continuons à faire ce travail-là, bien que éminente personnalité au palais, je dis seule raison pour retourner là. C'est avec une garantie des deux côtés que des avancées et que tu retournes à bon consensus. Tout ce problème-là ne fait rien pas marcher.
la prise de passeport. Disons que nous pensons que l'effort n'a pas été suffisant. C'est ça qui a des acteurs. Du côté des acteurs, c'est vrai qu'il y a eu des efforts, les efforts ont été évolués pour qu'on puisse trouver un consensus. Et disons que l'effort n'a pas été suffisant. Et c'est pour ça que nous n'avons rien trouvé. Mais par contre, nous sommes au niveau du groupe de la société civile, nous sommes encore disponibles et disposés pour rencontrer les acteurs. Nous allons continuer à le faire pour voir si on pourrait donc trouver quelque chose, même avant et la fin de l'année. Nous avons la foi. C'est-à-dire, chaque monde était sous position d'un côté municipal. Chaque monde était sous position jusqu'à présent. Il y a eu des efforts, certes, comme je viens de vous le dire, mais ça n'a pas été suffisant. Donc c'est un échec pour cette cinquième mission. En résumé, effectivement. Je ne dirais pas un échec total parce qu'il y a eu quand même des points de consensus. Mais il y a eu aussi trop de points de désaccord. Pasteur, excusez-moi, pour un auditeur absurde, nous là, lui-même, il a obtenu une déclaration officielle de à gauche ou de à droite, de n'importe qui ou de n'importe quoi. Rien n'est sorti. Est-ce que nous sommes capables de considérer ça comme un échec? Ou aller l'école ou pas fait moyen, nous double déclarer ça, c'est échec. Maintenant, aussi simple que ça, Will est capable de considérer comme un échec. Ok? C'est ça le capable de considérer. Mais par contre, mais nous-mêmes, tout le monde qui a regardé le cap dit que l'on échec. Mais nous-mêmes, nous dit que tout simplement que tu as un pile effort des deux côtés, mais l'effort n'est pas suffisant. Et c'est ça fait que même si groupe CARICOM y allait, nous allons donc continuer au niveau de la société civile pour voir si on peut rencontrer les acteurs et voir donc si nous sommes capables de trouver quand même entre haïtiens. Donc les émissaires repartent. Ah oui, ils repartent comme prévu. Sans rien. Demain le 14. Comme prévu, demain si rien. Rappelez-nous, non, on ne peut pas dire société civile. Mais c'est qui t'a poussé journaliste? Mais c'est pas lui-même. Est-ce que son problème président pays d'Haïti? Parce que depuis 86, n'a pas changé gouvernement, n'a pas été président. Jodi à nouveau pays, personne ne va pas vivre. Nous pensons son tête ensemble qui peut sauver pays, mais il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Merci. Malheureusement. Et pour ça, nous disons ça nous propose déjà un leadership collectif, côté gagner participation de tous secteurs à tous les niveaux. C'est-à-dire, si ACTA ou bien CTA a signé dans tout arrêté, dans tout décret, c'est ça qui est la participation. S'il y a présence, c'est eux-mêmes qui peuvent sélectionner les gens qui vont venir dans le conseil électoral. Après ça, ils peuvent signer dans l'arrêté qui peuvent nommer. C'est ça qui est la participation. Eux-mêmes, c'est eux qui ont besoin pour nous faire. Pour nous faire qui ça ne va pas connaître, parce que depuis 86, on a fait même des passages. Et je vous dis à mes côtés, nous mettons des pays. Nous avons demandé des missions PM. Ça, c'était depuis longtemps. C'était depuis longtemps, c'est même bagarre. C'est même bagarre. Si on demande à CTA tout, à tous les missions PM, c'est que vous avez révoqué tout le monde. C'est ça qui est question. Parce que c'est une question de où est-ce qu'on met des premiers ministres. C'est pas normal. C'est ensemble pour nous mettre tête nous, pour nous retirer le pays ensemble. Est-ce que nous ne pouvons rien contre notre pays? Qui perdit toute dignité, qui perdit fierté, qui perdit souveraineté. Je dis à nous pas quand même pas peuple la sécurité. Nous pas capable manger, nous pas capable. C'est peut-être ça. Nous dit pas qu'il y a l'autre chance à qu'à faire. C'est mettre tête nous ensemble pour nous montrer le monde entier que effectivement nous avons fait l'histoire, nous sommes grand peuple et nous toujours sommes grand peuple. Pas mettre, pas mettre. Qui veut dire ça? Avancez,
Comme là. Allez, Premier ministre Claude Joseph, comment ça vient dans la presse? Rien. Non, il est